Om. Namaste, welcome everyone to Namaste, bienvenue à tous en satsang ici ce matin à Rishikesh. Et bien sûr, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent par Internet, où que vous soyez dans le monde. C'est une sangha complète, totale. Et vraiment un immense bienvenue ici. Et j'espérais aussi que Radha vienne chanter quelque chose ce matin, c'est toujours d'accord? Oui? Alors viens. Merci. Okay, so Radha's going to sing a song. It's a bhajan by Sant Ganeshwar, and she's written it for, as a translation in English, so I will read it. It says here, do I call you? Donc je vais vous lire la traduction. Est-ce que je dois t'appeler avec ou sans attributs? Avec ou sans attributs, tu es le seul, unique Govinda. Que je t'appelle grossier ou subtil, tu es le seul, unique Govinda. Que je t'appelle forme ou sans forme, forme ou sans forme, tu es le seul unique Govinda. Que je t'appelle le vu ou celui qui n'est pas vu, vu ou non vu, tu es le seul unique Govinda. J'aime ça, je l'aime. Saguna nirguna eko govindure eko govindure saguna nirguna eko govindure eko govindure tujha sagunam hano ki nirgunare tujha Sagunam hano ki nirgunare Anumanena, Anumanena Anumanena, Anumanena Shruti neti neti manati go Shruti neti neti manati govindure tujha sagunam hano ki nirgunare tujha sagunam hano ki nirgunare tujha drishya hano ki Adrishya re tujha drishya mhano ki adrishya re drishya drishya eku govindure drishya drishya eku govindure tujha
Sagunam hanoki nirgunare tujha. Sagunam hanoki nirgunare tujha. Sthuram hanoki sukshmare tujha. Sthuram hanoki sukshmare sthura sukshmaiku govindure sthura sukshmaiku govindure tujha sagunam hanoki nirgunare tujha sagunam hanoki nirgunare tujha akaru hanoki nirakaru re tujha akaru hanoki nirakaru re akaru nirakaru eku govindure akaru nirakaru eku govindure tujha sagunam hanoki nirgunare tujha sagunam hanoki nirgunare Nivriti prasade jnana deva bole Nivriti prasade jnana deva bole Bapa rakma devi varu vithalure Nivriti prasade jnana deva bole Bapa rakma devi varu vithalure tujha sagunam hanoki nirgunare tujha sagunam hanoki nirgunare saguna nirguna eku govindure govindure saguna nirguna eku govindure eku govindure tujha sagunam hanoki nirgunare tujha sagunam hanoki nirgunare Namaste Guruji. Namaste. Cela fait plusieurs années que je te suis et grâce à tes indications, j'ai ressenti une grande paix et je me sens chez moi, à la maison. Mais cette saison, je ressens un grand désir de venir au micro
Quand tu dis je suis la vie, ça me confuse. Je ressens une grande énergie, mais je ne comprends pas totalement. Je suis la vie. Parce que souvent, quand je fais les choses dans la vie, je ressens de la fatigue. Oui. Si tu n'étais pas vivante, tu ne ressentirais pas de la fatigue. Être vivant et la vie, c'est une seule et même chose. On écoutait à l'instant une chanson magnifique qui parle. Je vais peut-être la relire parce que je pense que ça pourrait répondre à ta question. Dois-je t'appeler avec ou sans attribut? Avec ou sans attribut, tu ne fais qu'un, tu es le seul, unique Govinda. Dois-je t'appeler avec ou sans forme? Que tu sois avec ou sans forme, tu es le seul, l'unique. Le terme Nirguna, Brahman, Brahman veut dire le soi pur. Et pourtant, il est mentionné ici, Saguna Brahman, Nirguna Brahman. N'essayez pas de trop analyser. Saguna Brahman signifie ce pur soi qui se manifeste dans les qualités qui apparaissent dans le règne de la dualité. Quoi qu'il se manifeste, ceci ou cela, qu'il soit opposé, vous ne pouvez pas savoir ce qui est bon tant que vous n'avez pas goûté ce qui est mal, ou vrai et faux. Tous ces opposés, avec le pouvoir de notre discernement, nous disons que c'est vrai ou faux, ou élevé ou bas, ou petit ou grand. Toutes ces fonctions viennent avec la capacité de faire des distinctions entre une chose et l'autre. Tout cela existe dans Saguna Brahman. Parfois, tu m'as peut-être entendu dire « Tout ceci apparaît dans le théâtre de la conscience, le lila de Dieu. » Quand vous avez le sentiment de vous, vous-même en tant qu'identité, parmi des milliards que vous appelez vous, mais toi, tu t'appelles toi. Celui qui perçoit les autres, nous l'appelons « je ». Mais même si je vois quelqu'un que je perçois, que je l'appelle toi, lui-même se connaît en tant que je, et il se perçoit en tant que je, voyant l'autre en tant que tu. Mais celui-là, est, pourtant, il y en a un seul qui est constant et qui voit la diversité. Mais dans chaque forme, il surgit en tant que je. Donc, dans ce champ de changement dynamique, la vie, la mort, la mort, le paradis, l'enfer, tout ceci, je l'appelle le fonctionnement de la perception, le théâtre de Dieu. Je dis que c'est Saguna Brahman dans son expression. Nirguna Brahman se rapporte au principe qui est au-delà de la forme, des attributs. Quand je vous indique en satsang que vous pouvez voir tout ceci, quoi que ce soit une pensée, une sensation, une idée, un concept, quelque chose perçoit toutes ces choses. Mais celui qui perçoit n'est pas attrapé, il n'est pas pris dans la bulle qui est perçue. Donc je te dis, est-ce que tu ne vois pas que tu observes tout ça?
ce qui perçoit tout ce qui se trouve dans le monde, dans l'état de veille, quand la conscience est là, celui qui perçoit tout cela, il doit y avoir quelqu'un qui dit « Je peux discerner et ressentir ceci. » Celui-là, peut-il être perçu lui-même? C'est ma question. C'est une question bien vivante encore. Ceux qui perçoivent toutes choses, le sentiment d'hier, de la beauté, de la fatigue, de l'activité dynamique, celui qui perçoit tout ceci, peut-il lui-même être perçu? Qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que lui-même est-il un objet de perception qui peut être perçu? Et imaginez que celui qui peut percevoir, celui qui perçoit tout, si celui-même il peut être perçu, par quoi pourrait-il être perçu? Ce n'est pas juste une question. Et il y en a qui adorent trouver des réponses à ce genre de questions. Mais c'est une découverte. Ce n'est pas une question qui peut être satisfaite par une réponse conceptuelle. Quelqu'un qui dirait « Mais oui, c'est le suprême ». Ce n'est pas une question pour un divertissement spirituel pour le mental. C'est vraiment pour celui qui est arrivé à un endroit comme toi. Je peux te poser cette question. Parce que maintenant, tu dis que je dis que je suis la vie, mais j'ai continué à dire, toi, tu es aussi celui qui perçoit la vie. Ou est-ce que tu n'as entendu que la première partie? Parce que je dis, vous ne vivez pas la vie, vous êtes la vie, et en même temps, tout ce jeu, son fonctionnement de vie, est aussi perçu par vous. Donc même si la vie est perçue, par quoi est-elle perçue? Donc, n'allez pas chercher la réponse. Laissez la réponse vous chercher. Qu'est-ce qu'elle trouvera? Ce qui perçoit toute chose, est-ce que c'est tangible ou intangible? Est-ce une forme ou sans forme? Et qui va répondre à cette question? Celui en qui la découverte, la compréhension est révélée. Pas simplement à travers un intellect intelligent, parce que beaucoup peuvent répondre « oui, c'est ceci, c'est cela ». Et je réponds peut-être que ta réponse est correcte conceptuellement, mais tu ne l'as pas vraiment trouvée. Peut-être que tu as vu la réponse dans un livre, mais toi, tu dois le découvrir. Donc tu viens de dire que quand je dis que je suis la vie, quelque chose a été confus. Mais il y a eu une conscience de ce malaise. Est-ce que ceci est dérangé? Donc il est conscient que quelque chose est dérangé, et ce qui est dérangé, c'est l'idée que tu crois être de toi, que tu es cette personne qui est dérangée. Mais il y a une conscience plus profonde qui peut voir ce sentiment de dérangement, mais ne t'identifie pas à cela. C'est pour ça que je dis, faites attention, ne soyez pas pris dans une forme trop vite. Vous comprenez ce que je dis? Oui. Parce que quand vous rentrez dans la forme, vous vous limitez comme un réflexe. Vous devenez à nouveau une personne. Et la personne ne peut pas comprendre ce que je dis. La personne elle-même est perçue. Est-ce que c'est trop dire déjà? Si tu continues à écouter
Continue de regarder qui tu es, comme je viens de le dire, parce que pour le moment, nous croyons être notre identité conditionnée, qui elle-même est une construction psychologique. Mais même la construction d'une personnalité est quelque chose d'observé. Et cette personnalité n'est pas constante. Tout ce que vous voyez va et vient. Comment pouvez-vous être celui qui va et vient? Si vous êtes cela, alors vous partiriez en même temps que lui. Mais vous êtes là pour observer que c'est parti. Donc c'est en vous que je suis intéressé. Est-ce que vous, vous pouvez partir? Vous voyez toutes les choses qui vont et viennent, même vos concepts préférés, vos pensées préférées. Vous ne pouvez pas garder un contact avec eux. Mais toi, est-ce que tu vas et viens? Qui es-tu? C'est ça ma question. Et pour cela, une introspection, un regard, une observation doit se passer. Combien il y a de toi et combien de je il y a en toi? Sri Ramana Maharshi a dit, le je enlève le je et pourtant le je reste. De quoi parlait-il? Combien de yeux y a-t-il? Nous savons qu'il y a des yeux, c'est un jeu de mots en anglais. Le jeu enlève le jeu et pourtant le jeu reste. Le paradoxe de la réalisation du soi. Qu'est-ce qui enlève le jeu? L'intuition naturelle, le sentiment « je suis », qui est « j'existe », il enlève le « je moi » qui est le « moi » développé et le « moi » original reste tel qu'il est. C'est une manière de le dire parmi tant d'autres. Donc, revenons à toi maintenant. Est-ce que tu as toujours la même déclaration à faire? Oui. Alors, quelque chose est dérangé par la pensée « je suis la vie ». Ok, « je suis la vie », c'est aussi une idée. « Je suis la vie », c'est une idée. « Je ne suis pas la vie », c'est aussi une idée. « Je suis la vie », »,« tu es la vie ». Ce sont des idées. La réaction à « je suis la vie », c'est aussi une idée. Vue depuis une conscience plus profonde qui ne réagit pas à ces mots. Quelque chose est dérangé par ces mots. Je dis « tu es la vie ». Et tu ressens « je n'aime pas ça ». Parce que quand tu dis « je suis la vie », j'ai l'impression que c'est un effort. Et quand je perçois la vie comme un effort, quelque chose n'aime pas ça. Est-ce que tu pourrais dire quelque chose que j'apprécierais plus, mais que tu aimes ou que tu n'aimes pas, c'est quelque chose qui est observable aussi. Oui. Bon. Donc maintenant, je te dis, tout ce qui est observable, que ce soit la vie, quoi que ce soit, c'est un objet de perception, en fait, n'est-ce pas? Ce qui perçoit la vie ou quelque autre pensée, est-ce que cela peut être perçu? Ce qui perçoit, voit, remarque, est-ce que cela peut être remarqué? Et si ça peut l'être, par quoi peut-il être remarqué? Si vous êtes attiré par cette question, ça va être vos derniers jours ici. Peut-être que vous n'allez même pas survivre ce jour, ce jour-ci. Tu as peur? Non, j'essayais de regarder, mais je ne pouvais pas aller au-delà avec cette question. Quelle question? Par quoi ça peut être perçu? Quelque chose comme ça.
Le fait est c'est que c'est perçu. Même si tu ne le sais pas encore, par quoi, le fait que tout ce qui perçoit ce qui est perçu est séparé de ça. Est-ce que quelqu'un peut répondre? Oui. Par exemple, je regarde ma main. Ma main ne regarde pas, ne me regarde pas. Je regarde les fleurs. Elles sont un objet dans ma perception. Je ne suis pas les fleurs qui me regardent. Il y a un sentiment naturel à l'intérieur. Donc tout ce que tu regardes depuis cet endroit, tout ce qui est perçu en toi, c'est un objet dans ta perception, que ce soit une pensée ou des roses ou un sentiment. Tout cela est perçu et vont et viennent. Hier, ou ce matin, hier, tu avais beaucoup de sentiments par rapport à beaucoup de choses. Tu as rencontré des gens, tu as mangé quelque chose, c'était réel sur le moment. Mais maintenant, où sont-ils? Au mieux, tu peux dire, il y a des fragments qui sont restés dans la mémoire, mais est-ce que je peux revenir à hier et prendre un échantillon de mon expérience? Non, c'est parti. Le sentiment que j'avais de rencontrer quelqu'un, « Oh, c'est tellement merveilleux de te rencontrer, où est-ce ?» C'est parti. Tout est ainsi. Au mieux, il peut rester une sensation parce que tu l'as vraiment aimé ou détesté, alors ça reste un peu dans la conscience, dans la mémoire. Et tout cela contribue au sentiment collectif de ce que tu crois être. Mais pas tout. Quand tu marches dans la rue, il y a tant de choses qui se passent. Tes yeux pourraient tout voir. Tous tes sens, l'odorat, le toucher. Mais pourtant, tu peux marcher, traverser tout le marché, mais tu n'achètes pas tout ce que tu vois. Tu peux regarder tout, mais tu n'enregistres pas tout parce que tu ne t'intéresses pas à tout. Mais dès que tu commences à t'intéresser, c'est comme si ça écrivait quelque chose dans ton mental. Je ne dis pas « faites attention ». Je dis juste « nous nous souvenons des choses qui nous paraissent importantes et elles laissent une impression dans la conscience ». C'est simple, je ne l'invente pas. Tu le sais toi-même. Donc imagine que tout ce que tu vois, tu en prenais une photo. Toute odeur développe quelque chose. Tu utiliserais tous tes gigas. Mais il y a un pouvoir en toi qui n'a pas besoin de fermer tes yeux pour attraper quelque chose. Les yeux peuvent être ouverts. Les oreilles écoutent, tous les sens sont ouverts, mais le mental ne fait pas ses courses à travers les sens pour tout attraper. C'est ce qu'il y a de merveilleux dans la conscience. Parce que quand tu t'es levé, tu as allumé ta conscience. Non, l'éveil s'est passé et le jeu de la conscience se passe et quelque chose est conscient que la conscience fonctionne. Tu ne penses pas comme ça, mais c'est comme ça que cela se passe. Donc maintenant, tu dis... Quand je pose la question, quelque chose perçoit, en tout cas dans l'état de veille, le fonctionnement de la perception est activé et tu perçois. Supposons que tu dises, aujourd'hui, je décide de ne rien ressentir, je ne ferai pas d'expérience. Est-ce que tu peux faire en sorte que cela se passe comme ça? À moins que tu ne prennes un somnifère. Mais tant que la conscience est éveillée, dans cet état de veille, le fonctionnement, la perception se passe. Donc automatiquement, tu sais que tu existes et que tu perçois spontanément. Ça se passe juste, non? Est-ce qu'il n'y a pas un endroit plus profond en toi qui est conscient que tu es éveillé et que tu perçois et tout cela?
Tu traverses le marché, tu demandes, oui, combien ? Combien ? 200 roupies ? Jamais de la vie. Est-ce qu'il n'y a pas une conscience en toi qui n'achète pas ? Qui ne dit pas, oh, 200 roupies ? Et qui ne participe pas dans toutes les activités qui se passent dans la conscience du corps et du mental. C'est en cet endroit que je suis intéressée, pour voir si tu es consciente que tu es là, ici. Et que c'est ton... Et que c'est ta nature continuelle, fondamentale, naturelle. Voici ton Nirguna Brahman. Saguna Brahman, la pensée créative, je vais en satsang, je médite, etc. Nirguna Brahman, il y a une conscience aussi de cette fonction dans cette dimension Saguna, mais qui ne participe pas. Est-ce que tu es consciente de cet endroit ? Et en ce moment même, si tu es conscient de ce Nirguna Brahman, est-ce que c'est un endroit que tu visites ? Est-ce que c'est ton endroit préféré de vacances où toi seul peux t'aller ? Je peux arrêter si tu veux, on parle de bananes, de glace, mais non, je n'en parlerai pas moi. Mais si tu es avec moi et que tu me suis, je resterai et je parlerai avec toi. Parce que je ne suis pas là pour te divertir. Non, je ne veux pas partir et revenir, mais il y a quelque chose qui est obscur. Donc maintenant tu as le sentiment que ce Nirguna Brahman, la pure conscience, apparaît être obscurci par quelque chose. Donc pour que ceci se passe, tu dois avoir une idée que tu es détaché de ce soin infini et que quelque chose bloque le soin infini, l'empêche d'être perçu. Où es-tu ? Où es-tu ? Si je dis ceci, ce dont je parle, qui ne change pas, est-ce que tu as le sentiment que c'est infini ? Ou c'est fini ? C'est limité ? Est-ce que ça a une forme ? Est-ce que c'est imaginé ? Non, je peux le sentir, mais... En tant que quoi ? En tant que sensation ? Non, en tant qu'espace. Est-ce que c'est une sensation ? Si c'est une sensation, les sensations changent. Imagine que c'est le sentiment le plus extatique. Oh, Nirguna ! Est-ce que ça peut rester avec toi ? Non. Le sentiment peut surgir en cela. Mais on ne peut pas dire que c'est une sensation. Même pas une sensation sans sensation. Ça devient subtil. Ce n'est même pas ça. Même la lumière d'un million de soleils, est-ce que cela peut l'éclairer ? Est-ce que l'obscurité peut le couvrir ? Parle avec moi. À quelle distance c'est de toi ? En centimètres ou tu préfères ou en inch ? Où est ce Nirguna Brahman ? Ce champ de conscience qui est obscurci, dans quelle direction ? Nord, ouest ? À l'intérieur, à l'extérieur ? Où est-ce ? Tu vois, c'est ce qu'il se passe quand tu parles depuis le mental. C'est ton endroit préféré. C'est là où on se balade, où on a le sentiment d'identité et de séparation. Nous sommes confortables avec notre mental. Il dit, j'essaie d'aller vers Nirguna. Est-ce que tu peux me montrer ? Je te dis, Nirguna, ça ne va pas être facile. En fait, tu es Nirguna.
Oui, je sais ça intellectuellement. Mais je veux que ce soit mon expérience. Comment je vais pouvoir parler avec toi? Qu'est-ce que Nirguna Brahman? Est-ce que c'est une construction mentale? Une sensation? Comment tu peux en venir à comprendre cette conscience, cet espace? Tu penses que tu es séparé, et à cause de cela, quelque chose semble y faire obstacle, comme une éclipse. Une éclipse doit admettre qu'il y a trois choses. Il y a celui qui veut voir l'objet et celui qui bloque. C'est une éclipse, ça, non? Oui. Est-ce que la conscience, c'est celui qui veut voir quelque chose? Bloqué par quoi? Tout ça, c'est ridicule. Le mental, c'est ce qu'il peut faire de mieux. Tu as le sentiment, je suis ici. Et j'essaie d'aller vers le soi. Mais à chaque fois que j'essaye, je médite et je vais si près, j'arrive si près du soi. Mais quelque chose arrive entre les deux et je n'arrive pas à être ici. Vous savez combien de conversations j'ai eues comme ça? Elles ne vont nulle part. Donc j'essaie de clarifier. Pas comme un jeu d'échecs. J'essaie juste de montrer que tu regardes d'un endroit que tu imagines. Tu imagines être l'endroit depuis lequel tu regardes. Essaie de dire, j'essaie d'aller à cet endroit, mais c'est nuageux, embrouillé. Mais l'endroit depuis lequel tu regardes et la personne que tu crois être, ce sont tous les deux une construction dans le mental. Regardez, bon, ok, je vais simplifier. Celui qui cherche la conscience apparaît dans la conscience même. Est-ce qu'on va rentrer chez nous plus tôt aujourd'hui? Est-ce que ça peut être compris avec le mental? En d'autres mots, tant que la conscience semble être un but, c'est une construction mentale. Tu n'es rien d'autre que la conscience même. Même si tu médites, je médite. Tu médites pourquoi? Pour essayer de reconnaître le soi. Celui qui médite, le but de la méditation et l'acte même de la méditation sont des fonctions perçues dans la conscience qu'il essaye d'atteindre. Tu médites pour essayer de trouver l'endroit depuis lequel tu regardes déjà. C'est marrant ou frustrant? Non, je ressens que je suis déjà ici. Mais, pardon, qu'est-ce que tu as dit? Je ressens ma présence. Je suis ici. Oui, en tant que quoi tu es ici? Je peux tout voir, je peux voir tout ce qui se passe ici. Mais toi qui peux voir tout ce qu'il se passe ici, est-ce que tu es toi-même une activité qui se produit? Est-ce que tu regardes d'un endroit actif ou passif? Passif. En tant que quelqu'un qui regarde? Non, je ne peux trouver personne.
Cela veut dire que tu regardes en tant que personne? Ne donne pas ça à ton mental. Sois présente avec chaque mot que tu prononces. We can. If you were getting somewhere, you want to take a little rest. Tu penses qu'on va quelque part ou tu veux te reposer un petit peu? Okay, take a little rest. Okay, repose-toi un petit peu. Catch you again for a moment. Okay. Et je reviendrai vers toi plus tard peut-être. Okay? Merci. Okay. Somebody coming up. Are you coming up as an individual? Come. Il y a quelqu'un qui vient. Est-ce que tu viens en tant qu'individu? Qui vient? Okay, tu veux dire quelque chose? Ok, viens. It's okay, let him come. Laisse-le venir. Muji Baba, I'm so grateful to be here with you. Muji Baba, je suis si reconnaissant d'être ici avec vous. This melting that's happening and shift that's happened is. Cette immersion qui est en train de se faire, et tout ce que tu dis est si simple et si clair. Il y a deux jours, je t'ai entendu dire quelque chose que Dieu a dit des milliers de fois, mais j'étais vraiment identifié avec la personne, et tu as indiqué cela. Je vois le soi qui ne voit pas, qui ne connaît pas le soi. Et soudainement, cette perspective s'est retournée de moi qui sais que c'est la vérité. Et j'ai réalisé alors que ayant fait des expériences du soi, dans mon expérience, c'est difficile d'utiliser des mots là, mais à chaque fois que le mental vient, j'allais nier ce que j'étais parce que je ne pouvais pas quelqu'un qui connaissait le soi. Et ça, c'était l'astuce, le piège. Et depuis ce moment, chaque mot, chaque pensée qui vient, je la remarque et je vois que c'est juste observable. Depuis cet espace plus profond, tout est observable. Tout est observable. Plutôt que ça soit ma réalité ou quelque chose comme ça. C'est difficile de l'expliquer. C'est le fait d'observer tout. Est-ce que le fait d'observer est aussi observé? Le fait de remarquer que tout est observable. Tout est observable. Est-ce que ça aussi, ce n'est pas observable? Non, non, c'est juste, ça arrive. Que les choses sont juste en train d'arriver. Est-ce que ceci est observable aussi? Oui, oui, je pense que oui. Oui, parce que là, j'ai la pensée que, pour la première fois, j'observe. Et celui qui observe tout, est-ce que celui-ci peut être observé? Ne le donne pas à ton mental. On est de plus en plus subtil. Le fait de remarquer, d'observer, je peux voir toutes les choses. Est-ce que cette observation n'est-elle pas observable? Et qui est là pour observer? Est-ce que celui-ci ultime est-il vraiment intéressé dans le fait d'observer? Est-ce qu'il est affecté par ça? Non. Non, il ne l'est pas. Même les choses, les bonnes choses que j'observe, regardant les autres êtres qui sortent de satsang, les larmes qui sortent de mes yeux, même ça, je l'observe. Ça va et ça vient. C'est un peu fou. Non, non, ça c'est sain.
Ok, je... C'est fou par rapport à ma vieille histoire. Mais vraiment, à quoi ça mène ça? Et là, je vais partager un peu avec vous. Pourquoi est-ce qu'on suit cette ligne d'introspection? Pour quelle raison? Juste pour se divertir? Mais vraiment, lorsque vous êtes dans cette position ultime, qui est juste ici, je ne peux pas l'indiquer sur quelque direction que ce soit. Vous arrivez à cette position, et c'est comme si c'est un stop, mais ce n'est pas vraiment un stop. Elle ne connaît pas non plus. Elle est, simplement. Ce n'est pas une carte sur une carte avec des routes qui y mènent. Et donc, finalement, toutes les intentions du mental et de l'identité derrière qui essaye de faire quelque chose est vue comme simplement la danse de la manifestation. Et ça, ça ne dit pas « bouf, c'est que de la poubelle ». Parce que ça voudrait dire qu'il y a quelqu'un qui le regarde comme étant des poubelles. Non, c'est juste vu que ce n'est pas une définition de ce qui est ici. Parce que ceci est vu d'une façon inattendue, un grand soulagement prend place. Le sentiment de « il y a quelque chose à faire pour me rendre à cet endroit » tombe. Et je demande aux gens qui sont arrivés à cet endroit, « est-ce que vous êtes mort ?» Non. « Est-ce que c'est ennuyeux ?» Non. « C'est divertissant ?» Non. Est-ce comme la béatitude? La béatitude, c'est comme quelque chose qui apparaît. Est-ce que ça te rend béat? Non, on ne peut pas dire ça. Est-ce que c'est parfait? Le mot perfection n'est pas vraiment, c'est juste un concept, et ça n'est pas un concept. Et donc ça veut dire qu'il n'y a plus de but dans la vie? Il n'y a pas de conflit avec la vie. La vie s'exprime d'ici, et trouve sa cause, son origine d'ici. Et ceci est la chose la plus touchante que je puisse te dire. Pour quelque raison étrange, il y a une grande joie et de l'amour, de la paix qui irradie. Superbe mouvement apparaît dans le domaine des mouvements. Et une joie incommensurable. Les conséquences de la vie, la mort, deviennent sans signification. Et pourtant, il y a la compassion. Et l'amour, et la paix, la joie, enfin. Mais il n'y a personne qui soit attaché à ceci. C'est comme si la fleur qui n'est pas attachée à son parfum. Ceci est la raison pour laquelle je t'invite à continuer à regarder. Mais le mental, en quelque sorte, la peur vient. Si je m'y rends complètement, qu'est-ce qui va se passer que toutes les choses que je possède? Je dis, même celui que tu penses être ou avoir des choses est juste une idée qui est créée dans le soi.
je ne peux pas en parler beaucoup. Parce que trop en parler, on va le redonner au mental. Le mental est un outil formidable, un aspect superbe de la conscience. Mais lorsqu'il est profondément connecté à l'individualité personnelle, il n'est pas à notre service. Parce que la modification que l'on appelle la personne est l'élément le plus faible de la chaîne de la conscience. Qu'est-ce qui ne va pas dans la personne? Non, ça va. C'est la conscience, mais elle est juste limitée. Et tu n'es pas dans la réalité sous cette forme de limitée. Est-ce que tu peux continuer à être la personne? Oui, pendant des vies entières. Je dis simplement, il y a plus en toi que cela. S'il y a un besoin de découvrir en toi, alors quelque chose que j'appelle la grâce va venir et va t'amener pas à pas, selon ta capacité, à t'amener plus proche de cette vérité, jusqu'à ce que tu sois prêt à dissolver cette identité. Mais tant que l'on a cette identité, il y a la peur. La peur est là. Je ne sais pas ce qui va se passer. Tu ne sauras jamais. Est-ce que tu sais jamais ce qui va se passer? Sais-tu jamais ce qui va se passer, ce qui va arriver? On est juste amoureux de l'idée que l'on sait. Lorsqu'on va au lit la nuit, il y a une garantie de Dieu qui dit « Oui, tu vas te réveiller le lendemain matin ?» Mais tu vas au lit et tu entres dans des états profonds de la conscience parce que tu as le sentiment que je me suis réveillé tous les jours jusqu'à aujourd'hui, et pourquoi pas demain aussi. Ça aussi, ça va. Je ne veux pas vous mettre des pensées effrayées dans la tête. Mais vraiment, on est conforté par ce que l'on connaît de façon apparente, alors qu'en fait, on ne connaît pas vraiment. Et ça, c'est vraiment confiné. Et vous pouvez vivre et mourir dans vos concepts en ne sachant pas que vous êtes le soi illimité. Et la vie est une expérience. C'est aussi ce que tu crois. Ce que vous croyez, devient votre expérience. Tout ceci est la création à l'intérieur de notre mental. Et c'est bien ainsi, parce que Dieu est là aussi. Il n'y a pas d'envie urgente de s'éveiller, sauf s'il y a quelque chose qui s'éveille en vous, qui veut s'éveiller. De la vérité plus vaste de vous-même. Il n'y a personne qui va vous dire « Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi !» Parce qu'il y a peu qui sont éveillés, et celui qui sont éveillés ne va pas te dire « Tu dois t'éveiller !» Il y a quelque chose d'autre qui te dit. Parce que celui qui est éveillé sait que tu es le soi, rêvant que tu es quelque chose d'autre. Rêvant que tu aies le temps et le changement. Et donc, cet appel à l'éveil doit venir de l'intérieur. Et le besoin de s'éveiller vient de l'intérieur. Et l'éveil vient de l'intérieur. Si je continue à parler, on va se heurter à un domaine de paradoxe et le mental va dire « je ne comprends pas ». Donc je vais arrêter de dire trop de mots à ce sujet. Si vous avez faim et que vous
venez à moi. Je ne veux pas vous montrer un livre de cuisine. Tu as faim, tu veux manger. Si tu es affamé, tu ne vas pas dire, est-ce que c'est sans gluten ? J'aime manger avec des gens qui sont affamés. Si tu meurs de faim, est-ce que je peux avoir un couteau et une fourchette ? Non, tu ne diras pas ça, tu mangeras simplement. Mais lorsqu'on a le sentiment qu'on est dans la spiritualité, on veut faire plein de choses, bon, ça va aussi, ça fait partie de la danse de la manifestation. Mais quand quelqu'un vient et dit, s'il te plaît, aide-moi, parce que mon mental est si confus. Je suis vraiment attiré par ce que tu me dis, mais... Ah non, ok, assieds-toi, on va prendre une tasse de thé et on peut converser. Et peut-être que tu ne boiras même pas le thé. Il deviendra froid dans ta main parce que tu es si absorbé, tu es si ici, et que tu découvres qui tu es réellement. Je ne reçois pas des commissions pour ça. Je ne suis pas en hâte. Je ne dis pas, je t'aime, je veux que tu t'éveilles. Non, je suis juste ici. Tu viens, tu te parles. Je ne vois aucun obstacle, naturellement. Je ne vois rien qui vraiment te bloque de qui tu es vraiment. Mais je vois que tu crois qu'il y a des obstacles. Et parce que tu le crois, on essaie juste de te montrer qu'il n'y a pas d'obstacle. Que l'endroit que tu essaies d'atteindre est vraiment où tu es déjà. Mais tu ne sais même pas que tu es déjà ici. Je ne te parle pas de religion. Je ne suis pas contre les religions. Les religions sont des chemins aussi qui guident les êtres à découvrir cela. Je te parle comme si je parlais à quiconque. Parce que je ne vais pas te mettre une condition pour que tu découvres ce que tu dois découvrir. Même à un athée, je peux te parler. Parce que tu vas peut-être venir, tu vas t'apercevoir qu'il n'y a pas d'athéisme ou d'athée. C'est quelqu'un qui est athée. Mais ce n'est pas mon objectif. Seulement de te montrer ou de t'aider à voir qui tu es au-delà de l'idée que tu as de toi-même et de découvrir la splendeur et la pureté de la conscience que j'appelle Dieu et la vérité. Et il y a quelque chose en nous qui combat, qui lutte pour nous garder, nous conserver en tant qu'être humain, une personne. Il n'y a rien vraiment de mauvais dans la personne, c'est juste un jeu, c'est quelque chose qui est censé être amusant, mais qu'on le considère vraiment comme étant un fait, alors les problèmes sont là. Il n'y a rien que tu aies besoin de changer ou de devenir ou de réparer ou de fabriquer, de créer, afin que tu sois qui tu es. Tu dois juste être ouvert et de regarder et de suivre, de voir les choses qui te distraient de ce que tu es naturellement. Et lorsqu'elles sont indiquées, tu les vois, mais si tu es investi dans la vie, je veux ceci. Et je veux te mettre en garde envers cela, parce que beaucoup imaginent qu'il y a quelque chose dans la vie qui va te rendre vraiment heureux, pour toujours. Mais rien dans la vie n'est pour toujours, parce que c'est un champ constamment changeant, et même le toi est aussi changeant. Sauf qu'à l'intérieur de toi,
il y a ce qui ne change pas. Et si tu le découvres, tu vas pouvoir savourer autant que tu veux tout ce qui est changeant, sans être capturé par ces choses. Merci. Merci Muji pour avoir mis la grâce sur nous et de nous avoir guidés et d'avoir enlevé les fausses idées. Pas toujours. Parfois, nous ne voulons pas avoir nos fausses idées remises en question. You don't want your attachments to be disturbed. Parfois, vous ne voulez pas que vos attachements soient dérangés. Et je ne suis pas là pour crier. Si vous voulez ça, vous avez le droit. Just that you are aware. Il faut juste que vous soyez conscient du coup de s'attacher à ce qui est né du temps. Merci d'avoir laissé la vérité résonner en nous et de nous inclure tous dans le monde, dans votre satsang, et de nous inspirer de l'amour et du courage dans nos cœurs pour abandonner ce qui ne nous sert plus. Oui, ceci c'est vrai. Merci de faire en sorte que l'expression de votre grâce soit disponible sur YouTube. Merci de nous toucher au-delà des concepts et de partager la paix de notre être. Merci, merci. Merci à tous en satsang de partager notre présence. Merci Dieu et la grâce et tous pour cette investigation bénie et cette vision non tachée. Merci frères et sœurs pour faire ces satsangs et pour rendre ces satsangs et vidéos possibles. Cher Muji, je regarde les satsangs depuis Rishikesh et mon mental semble mélanger les mots dont tu parles et j'ai de la difficulté à écouter ce que tu dis. Oui, c'est commun. Ce système que nous appelons le mental, surtout quand nous avons une relation assez forte avec le mental à propos de notre identité, c'est comme s'il y avait une force en nous qui n'est pas pour vous et qui apparaît être pour vous. Et dès que quelque chose vient pour vous réveiller de ce sommeil d'idées, de limites, il s'énerve. Il y a quelque chose de méchant qui revient à la surface. Si vous n'êtes pas ouvert à cette expérience, alors évidemment, vous vous dites « Ah, je ne suis pas intéressé dans ce genre de choses » et ça me va aussi. Parfois, vous arrivez en satsang et le mental fait et vous vous dites « Oh là là, non, je dois partir ». Mon mental ne me permet pas d'être en satsang aujourd'hui. Vous allez au chai shop et... Ah, disparu. Ouf. Oh mon Dieu, est-ce que je peux avoir
des légumes poêlés. Et le vendeur vous dit, ah, t'as l'air très heureux aujourd'hui. Ah ouais, je suis sorti de là-bas, ça va beaucoup mieux. J'ai un désir de me lever et de partir, mais je me force à m'asseoir et à rester avec ça. Je comprends qu'il y a une partie de moi qui regarde ceci se passer, mais les forces de l'ego semblent prendre le dessus sur cette compréhension. Pour le moment, je dis, parce que le pouvoir en toi est immense, mais tu n'en es pas conscient. Au moins, tu en viens à voir qu'il y a un petit peu d'un ennemi en toi. Mais je ne veux pas que tu sois, que tu aies peur. À la fin, tu vas aller de plus en plus, tu vas monter vers des états plus élevés. Ça paraît étrange. Pourquoi ce n'est pas facile? Mais vous n'aimez pas, vous n'appréciez pas ce qui est facile, en fait. Écoutez celle-ci. C'est de Jeanne. Jeanne. C'est Jeanne. Jeanne. Bon, écoutez la lettre, c'est une courte. Je regarde les satsangs depuis Rishikesh. Il y en a un qui dit, pourquoi elle ne vient pas ici? Peut-être qu'elle ne peut pas venir. Okay. Je regarde les vidéos depuis Rishikesh. Mon mental essaie de mélanger, il apparaît mélanger les mots. Par exemple, je dis « tu es le soi » et il dit et elle entend « non, 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 non ». Oui, le mental peut faire ça. Le mental semble mélanger les mots que tu dis et j'ai du mal à comprendre ce que tu dis. Et pourtant, je parle doucement. Je suis assis ici. Votre mental fera ça. Pardon? Pour que tu... Comment? What? Tu n'es pas ton mental. Quoi? Oh gosh, I tell you. Ah oh mon Dieu, je vous dis, même ça, ça montre quelque chose. Quelqu'un arrive et dit, sortons, allons danser. Allons danser, ah oui. Tu es la réalité immuable. Comment? So only for a while, okay? Mais seulement pour un temps. Alors, deuxième paragraphe, j'ai un désir de me lever et de partir. Partir d'où? Pour aller dans la cuisine et boire une tasse de café. Mais je me force à m'asseoir et rester avec. Ça, c'est bien. Pourquoi tu fais ça? Parce que tu ne crois pas. Et pourtant, il parle plutôt bien anglais, mais quelque chose ne veut pas comprendre qu'il est anglais. Alors, je me force à m'asseoir et rester avec. Je comprends qu'il y a une partie de moi qui regarde tout ça se produire. Donc, depuis un endroit plus profond, ce n'est peut-être pas la première fois que cela se passe. Mais les forces de l'ego semblent être plus fortes que cette compréhension. Les forces de l'ego semblent être plus fortes que cette compréhension. Et je dis, pour maintenant, reste avec, ne pars pas en courant. Parce que si tu t'en vas, la chose avec laquelle tu t'en vas, c'est celle que tu devrais fuir, justement.
J'ai un désir de me lever et de partir. Mais est-ce que tu peux fuir ton mental? Mais je me force à rester, à m'asseoir. Écoute l'invitation. Parfois, certains écoutent l'invitation et se contorsionnent. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe avec ces gens? C'est le mental. Pourquoi? Comme je l'ai dit, il y a une force qui fonctionne en nous, qui ne coopère pas avec aucun désir d'être, de s'éveiller. Tant que vous êtes dans la position de ça, vous vous dites, non, mais je ne peux pas faire ça. Je vais chanter un bhajan. Et bien sûr, ça ne va pas vous remettre en question. La personne va même apprécier. Mais la chose que vous avez besoin de voir... Je vais lire un livre parce que je ne peux pas écouter le satsang. Je comprends qu'il y a une partie de moi qui regarde ceci se passer. Je comprends, mais je ne suis pas présente dans cet endroit. Il y a une partie de moi qui regarde cela se produire, mais les forces de l'ego semblent être plus fortes que ma compréhension. Est-ce que tu vois maintenant ceci? Ou est-ce que tu soutiens ton ego? Peut-être que pendant des années, tu n'as pas remis ceci en question. Jusqu'à ce que le jour arrive où tu as ressenti qu'il était possible d'aller au-delà de cette vie créée dans ta tête. Alors tout cela arrive. Dans d'autres cultures, on dit que c'est le diable. Ou des perceptions distordues. Mais c'est comme ça. Et les forces de l'ego semblent cacher cette compréhension. Et je dis, c'est compréhensible et je t'invite à venir en satsang et t'asseoir juste ici, devant. Et ne pense pas que tu dois faire ceci pendant 6 mois, 6 ans, peut-être en une seule journée. Je ne peux pas faire que cela se passe en une journée, mais quelque chose peut s'ouvrir dans ton cœur. Mais si quelque chose est investi dans ton intérêt personnel, tes projections, alors, tu fais campagne pour ton ego, mais en fait, il n'existe pas. C'est quelque chose, une illusion qui est là depuis le début. S'il te plaît, prie pour moi, tout mon amour, Jeanne. Jeanne. Okay, that's Jeanne. Voilà, c'est Jeanne. Ma réponse, cette lettre révèle le genre de jeu qui se passe dans votre mental. Peut-être que vous êtes assis en disant « Oui, je ne suis pas tout à fait d'accord. » Mais quand vous dites « Je veux aller à la cuisine », je ne vous demande pas d'aller à l'université pour lire une carte pour montrer comment y aller. Je vous dis, c'est là. Et vous me dites, où? Je dis, là. Alors, je dis, viens avec moi. Je suis un homme simple. J'utilise un langage simple. Nous n'avons pas à aller dans des discours philosophiques. C'est assez simple si ce que vous voulez... c'est de vous éveiller à la vérité que vous êtes. Si vous voulez développer des pouvoirs spirituels, alors non, je ne suis pas la personne dont vous avez besoin. J'aime juste voir des êtres humains qui sont eux-mêmes dans le cœur. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous pouvez avoir tous les pouvoirs du monde, mais ne pas être libre. Vous pouvez même tomber amoureux de votre sadhana. Vous voulez juste danser. Ça va, oui, bien sûr, si c'est ce que vous voulez. Mais est-ce que c'est la liberté? Non.
Peut-être que ce n'est pas vraiment ce que vous voulez. Peut-être que vous êtes content d'avoir des amis spirituels, ils vous appellent et, oh, et certains apprécient ça. Il n'y a pas de problème, mais je m'adresse à ceux qui veulent aller au-delà. C'est tout. Et pour eux, ce n'est pas si difficile. Parfois, nous devons souffrir des projections de notre mental avant de vouloir les quitter et aller au-delà. Donc, Jeanne, je te dirais, si tu peux, à moins qu'il n'y ait une vraie raison pour laquelle tu ne peux pas venir, et tu n'as pas à venir, il y en a beaucoup qui regardent par Internet et qui ne peuvent pas venir. Est-ce que les chances sont tout aussi réelles pour elles? Oui. Même si vous vivez sur la Lune. Oui. Parce que vous pouvez être ici et ne pas comprendre. Et quelqu'un dans les buissons en Australie, il peut comprendre. C'est peut-être l'envie, le vrai désir qui peut aider, je ne sais pas. Quelqu'un là-bas? Bien, bien. Là, t-shirt rouge. Non, toi, t'as un t-shirt blanc. Salut, Muji. Aujourd'hui, je ressens que il y a quelque chose que tu dois éclaircir en moi, clarifier en moi. Tu dis que je regarde ma main. Ma main ne me regarde pas. Mais lorsque tu me regardes, je te regarde aussi. Et donc, c'est comme si le « je » qui regarde depuis l'estrade et le « je » qui regarde depuis d'ici vers l'estrade, cela doit être le même « je ». Mais il semble que ce sentiment est mélangé avec des conclusions logiques. Ce n'est pas clair. Peut-être si tu veux éclaircir cela. Tu dis, ce « je » qui regarde, observe depuis cette perspective de ce corps et celui qui observe depuis cette perspective de corps doivent être la même chose. C'est ce que tu dis? Oui. Ce n'est pas comme regarder à ta main. Il regarde au travers de la conscience. Il regarde en tant que conscience. Ceci n'est pas la perspective de chacun. Afin de dire ce que tu dis, tu dois vraiment éliminer beaucoup de choses, parce que beaucoup de gens disent « la façon dont je vois est vraiment différente de la façon dont tu vois ». Ils peuvent argumenter, ils peuvent parler, et à la fin, les deux s'en vont avec un mot de tête. Mais ce que tu dis vraiment, si tu comprends que l'endroit depuis lequel le « je » surgit est le même que le « je » en moi surgit, alors on peut avoir une conversation plus pure. On n'a pas besoin de parler, tu es né dans cet pays, on a différentes perspectives parce qu'on n'est pas venu dans... Non, tout ça on peut balayer. Si on nettoie tout ce qui peut apparaître comme des différences parce qu'elles ne sont pas significatives pour qu'une compréhension se passe, qu'est-ce qu'on peut dire maintenant? Si la distance, si le pays si ça ne fait rien d'où l'on vient, même la langue que l'on parle, si le fait que je suis un homme, que toi aussi tu es un homme, ça ne fait aucune différence depuis l'endroit depuis lequel on parle.
ton expérience à propos de ça, mon expérience à propos d'autres choses, non, des niveaux superficiels, ceci n'est pas un obstacle. Alors, comment peut-on commencer à parler maintenant? Sur le niveau physique, je n'ai pas l'expérience que je suis assis sur l'estrade. Moi non plus. Ce n'est pas important pour moi que je suis assis sur l'estrade. Je ne suis pas différent parce que je suis assis sur l'estrade. Peut-être que je peux parler plus lentement. C'est beaucoup de gens, donc je parle plus lentement. Mais ce n'est pas important que je suis assis sur l'estrade. Ou le fait d'être assis là-bas, non. Je te parlerai de la même façon si on se rencontre dans la rue. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux vraiment savoir? Est-ce que c'est si significatif? Non, va avec ce que tu veux vraiment. Si aujourd'hui était ton dernier jour, si le docteur te dit aujourd'hui, c'est ton dernier jour. Donc maintenant, tu as peut-être juste un peu plus de 12 heures à vivre. Ouais, je peux sentir. Non, et c'est vraiment généreux parce que rien... Personne n'a une garantie sur les heures qu'il a à vivre. Ça, c'est vraiment généreux. Tu as 12 heures à vivre. Et on te demande, si tu as un souhait, si tu peux exaucer un souhait, quel souhait soit-il, est-ce que tu as besoin de temps pour réfléchir? Non, tu le dis immédiatement. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Parce que je ne pense pas que cette question... Et sois vraiment ici, là. Vas-y, va au cœur. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Qu'est-ce qui est important pour toi? Ne pas être limité par ces 12 heures. Ce que je veux dire, c'est que allez, donne-moi comme la nourriture pour bébé, que tout le monde puisse comprendre. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Non, même pas 12 heures, 12 minutes. Allez, c'est toujours généreux, parce que ce que je t'indique, 12 minutes, c'est vraiment suffisant. C'est même largement suffisant, depuis ma perspective. Et je ne blague pas. Si tu as 12 minutes, alors on a plein de temps, si tu es prêt. Pour ce que j'ai à partager avec toi. Mais qu'est-ce que tu veux? Toi, tu me dis, alors je te répondrai, non, là, on n'a pas suffisamment de temps. Si tu veux devenir un footballeur professionnel, non, là, je ne peux pas t'aider, je ne suis pas la bonne personne. Mais non, toi, dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Comme si soudainement il y a quelque chose qui est un obstacle. 11 minutes. C'est beaucoup de temps qui t'est offert. Juste d'écarter ce qui fait obstacle. Allez, on va améliorer là. On dit que tu as juste une minute. Une minute. Quarante-cinq secondes. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Peut-être, probablement, c'est pas, il n'y a pas assez de temps là. Oui. Oui, c'est que tu n'y arriveras pas. Tu as 20 secondes. C'est pas amusant de faire ça, hein, n'est-ce pas? Ton mental fait toutes ces choses, hein? Et pourquoi est-ce si important ce que le mental dit?
Il a dit la même chose hier. Où est hier? C'est rien. Pourquoi es-tu, est-ce que tu lui donnes tant d'importance à ce que te dit le mental? 15 secondes. C'est comme s'il dit je suis désolé, je vais le faire. 5, 4, 3, 2, 1. Qu'est-ce qui n'a pas changé en toi? Le mental, je ne peux pas le faire, je ne peux pas y réussir. S'il te plaît, est-ce qu'on peut arriver à revenir aux 12 minutes là? Il y a quelque chose qui... Oui, oui. Ce n'est vraiment pas juste, la Muji. Est-ce que tu as le temps? Tu as le temps pour ça? Parce que ça ne t'aide pas. Qu'est-ce qui, en toi, n'a pas besoin d'aide? Qu'est-ce qui ne prend pas de temps? Parce que pour moi, le temps n'est pas important. Je sais que c'est là. Je sais que c'est là. Même ce toi qui sait, c'est ici, il n'est pas important, c'est le mental. Il sait qu'il est ici. Qui dit cela? Ça ou quelque chose d'autre? Non, non, c'est pas ça. Non, je veux juste parler à cela. Est-ce que tu es un ami de cela? Est-ce que tu travailles pour cela? Rien de tout cela n'est toi. Vous voyez, ce que l'on fait, c'est qu'on implique le mental conditionné qui semble dire « oui, je suis cette personne qui va arriver vers la liberté ». Je ne t'accuse pas, non, tu es coupable, non, toi, tu es le soi qui porte le costume de cette personne avec toutes ses idées, j'essaie d'y arriver, s'il te plaît, bénis-moi. Toutes ces choses, non, ce n'est pas ça. Ok, bon, on joue un peu, mais je ne sais pas quoi faire maintenant avec toi. Tout ça, tous ces efforts viennent du mental. Il y a quelque chose qui est conscient des efforts qui sont faits par le mental. Il y a quelque chose qui est conscient des efforts apparents qui sont faits par la personne apparente qui est apparemment séparée du soi qu'elle est. Je sens que cet effort est vraiment l'obstacle la plus grande. Un obstacle de quoi vers quoi? De ce qui devrait être, mais qui maintenant semble être profondément enfui. Peut-être qu'il va comprendre là. Tu peux répéter ce que tu viens de dire? Il y a quelque chose. There's something that I felt that should be. Well, it's. Where's this? D'où est-ce que ce rire vient-il? Yeah, yeah. Ouais, je vois, je le vois. No, it's different than. I mean. C'est différent de il y a une minute. Yes, it's. Oui, ce n'est pas la même chose maintenant.
Maintenant quoi? Maintenant, qu'est-ce qui est? Maintenant. Maintenant, c'est... Je peux respirer. Thank you so much. Merci tellement. Is it finished? C'est terminé? I feel it's, je ressens que it's not gonna ce n'est pas complètement fini, non. This, which one? Lequel n'est pas fini? Que je puisse respirer. Yeah, but, mais ça, c'est l'objectif. Il y a quelque chose qui se relâche en toi parce que tu peux voir les efforts faits par quelque chose pour accomplir quelque chose qui est complètement fabriqué de toutes pièces. Il y a quelque chose ici et simplement. Il est simplement. Et devant lui, il y a ses efforts, cette identité qui ressent qu'il y a quelque chose qui fait obstacle à ce que j'arrive là. Mais tout ça, c'est juste l'imagination. C'est aussi une habitude. Une habitude et une croyance. On essaie d'y arriver, mais il y a quelque chose qui n'arrête pas de m'en empêcher. Et celui qui essaye d'y arriver est cru que c'est vraiment celui, le fait de notre existence. Mais tu es le là que tu essaies d'atteindre. D'être capable de voir celui que l'on croit être, essayer d'atteindre ce qu'il croit pouvoir atteindre, mais qu'il ne peut jamais ne pas être. C'est comme ça. Des habitudes. La force de l'habitude. La force de l'habitude. Il y a quelque chose qui dit, c'est pas si simple, c'est pas aussi facile, je peux pas le croire. Combien de livres j'ai lu, la méditation, du yoga, moi j'y arrive pas. Et ça, c'est cru. Et cette croyance devient votre vie et votre sentiment de soi. Et ce sentiment de la personne va s'écarter et pour aller trouver une pratique plus facile. Nous sommes ici, la personne va s'en aller pour aller trouver une pratique pour arriver où nous sommes déjà. Alléluia, alléluia. On s'approche là. Je vous le dis justement, parce que j'ai besoin de le dire. Parce que le mental est beaucoup plus heureux dans le chai shop. Là, il est 10h, midi 10. On est juste au point de découvrir. Le mental va faire ça. C'est l'unique chose que tu dois transcender, que tu dois surmonter. C'est cette chose qui te continue à te garder sur ce chemin. Elle va continuer à t'envoyer dans des voyages, voyage après voyage. J'ai été en retraite avec les gens et déjà, même pendant cette retraite, ils se sont inscrits pour la prochaine retraite. Ça, c'est le mental. Ah, là, je me suis déjà inscrit pour la prochaine retraite. Donc, tu ne vas pas y arriver cette retraite même, hein? C'est risible parce que c'est le mental. Elle n'a pas de pouvoir sans croyance, sans identité. Une pensée sans identité ou intérêt n'a aucun pouvoir. Une pensée avec une croyance ou une identité peut démarrer une guerre. La croyance. Mm.
Est-ce votre moment maintenant? Est-ce votre moment? Ou bien demain est mieux? Est-ce le temps est venu pour vous maintenant? Le mental semble être effrayé de toi, Moji. Bien sûr, j'y suis habitué. Parfois, je ressens que je suis l'être le plus aimé et haï. C'est un jeu. Le même qui va me dire « Oh, Moji !» Il va se retourner et me poignarder dans le dos. Nous sommes tous des golems. Des golems. Oh, mon précieux. Tant qu'on en a ça, je ne vous crois pas. Parce que je ne vous crois pas, c'est pour ça qu'on peut arriver quelque part. Parce que je ne crois pas à ce que vous dites. Pas encore, pas encore. Bien sûr, le mental va se ressentir comme ça, parce que nous voulons que notre mental soit éveillé, soit éliminé. Et ouais, le mental vient, il est de la compagnie. Ouais, je veux être éliminé. Non, mais juste comme lui. Ça va, c'est bien comme ça. Merci. Non, pas encore. Tu dis, mon mental est effrayé. Oui, c'est vrai. Où est-ce que tu as trouvé ton mental? Où est-ce que tu l'as fait un copyright? Pourquoi ce n'est pas juste le mental? Il y a de l'air. Tu le respires et ça devient ma respiration. Tu l'expires. Est-ce que tu peux trouver ton expiration? C'est le mental. Tu le prends à l'intérieur et tu dis « mon mental ». Et le mental devient un champ de mine. C'est les voies du mental et une relation qui est créée avec l'identité personnelle. Ça devient quelque chose cristallisé de cette façon. On est juste en train de parler. Mais lorsque tu dis « mon mental », c'est juste quelque chose dont tu es conscient. Le plus d'identité qu'il y a, alors bien sûr, elle devient beaucoup plus particulière pour toi et tu dis « mon mental ». Mais si tu n'es pas le propriétaire de ça, alors ce n'est pas nécessaire de dire « mon ». Ce n'est pas attaché à quelque chose. Tu dis « mon ». Mon signifie possession. Ceci est ma chaise. Ceci est mon papier. Mon. Si tu n'es pas attaché à quelque chose, qu'est-ce qui est ici? Celui qui dit mon mental est conscient du jeu du mental. Celui qui est conscient du jeu du mental, est-ce lui-même le mental? Non. Non, il n'est pas le mental. Il ne l'est pas seulement s'il n'est pas investi dans ce que dit le mental. S'il n'y est pas investi, alors il est à part du mental, n'est-ce pas vrai? Oui, il voit le mental. Oui. Est-il intéressé dans le mental? Est-il affecté par le mental depuis l'endroit depuis lequel je parle maintenant? Aussi longtemps qu'il le voit, et il n'est pas intéressé. Non, d'ailleurs, c'est le contraire. Aussi longtemps qu'il continue à le voir, il a toujours un petit intérêt. Tu ne vois pas ce dont le mental est intéressé. Parce que si tu n'es pas intéressé, tu ne l'enregistres pas. L'instant où tu dis « mon mental », c'est comme si tu prends la responsabilité. Lorsque le mental n'est juste qu'un flot de mental, quelque chose qui est conscient de là, mais sans y être attaché, alors l'endroit que je t'indique est reconnu comme
rien n'y colle. Et pourtant, tout peut danser à l'intérieur, mais rien n'y est attaché, parce que ce n'est pas un objet. Parce que tu dis « je », moi-même, et qu'il y a un attachement qui est associé fortement au corps, alors beaucoup de choses peuvent s'y coller, parce que cela devient un objet, quelque chose. Tu n'es pas ce quelque chose, quel objet, quel le corps. Et tout ce jeu du mental, rien ne serait possible si le mental n'a pas le pouvoir d'imiter le soi. Afin de jouer un jeu que toi qui es la pure conscience devient la présence consciente et après la personne. Et là, on peut avoir cette relation et tout ce monde est produit. J'ai l'impression que ce que je dis est très simple. Mais lorsqu'on essaye de le faire, d'y parvenir avec l'identité, ça devient complètement impossible. Et pourtant, ce n'est pas quelque chose que l'on doit faire, c'est juste votre vision. Et c'est pour ça que je recommande et vous pousse à continuer à écouter l'invitation. C'est comme si ça nettoie votre maison de toutes ces idées et de revenir à une vision impersonnelle et claire. Dans cette vision impersonnelle, le sens de la personne peut apparaître, mais il ne sera pas dominant. C'est juste quelque chose qui est vu. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un bon satsang? Oui. Merci. Et vous savez, tu sais, j'aimerais bien te reparler, je ne sais pas quand, mais j'ai ce sentiment. Tu vois, je n'ai pas lâché avec toi, je n'ai pas abandonné. Oui, j'aimerais beaucoup vous reparler aussi. Oui, parce que ce n'est pas comme si tu étais à une quelconque distance de moi. Des êtres comme toi, je veux juste t'attirer. J'ai tellement d'amour pour toi, parce que tu dois avoir ça. Oui, je vous aime tellement. C'est pas comme si je disais non, tu es passé à côté de ta chance. Peut-être c'est assez pour aujourd'hui, mais nous sommes tous comme ça. J'ai vu ce qu'il s'est passé. Comme je dis, au début, quand j'étais au pied de Papaji, je ne pouvais pas comprendre. Mais je voyais que je n'apprenais pas tant, mais je changeais beaucoup. Donc la grâce est en vous. Je me sens beaucoup plus spacieux, mais je ne sais pas, tu dis. Pour un temps, et pour l'instant, tu mijotes dans la marmite. Et toutes les choses ne cuisent pas en même temps. Donc tu goûtes. Et merci. Est-ce que quelqu'un va venir jouer un morceau aujourd'hui? Et je vous encouragerai, parce que ce que je vous indique, ça ne va pas vous attacher. C'est si simple. Je ne vous demande pas d'être qui que ce soit, quoi que ce soit. Parce que ce serait vous mettre un fardeau sur les épaules. Vous en avez déjà assez comme ça. Je suis allé marcher dans la forêt et j'ai vu une comment on appelle ça, un mélange entre un âne et un cheval, une mule. Ils mettent tant de sable et de sacs sur son dos et ils le font monter. Et il ne se plaint pas. Il monte en haut de la montagne.
Et en haut de la montagne, il y en a un qui tire même la mule par la queue. Il est là, tout lourdeau. Quel choix il a. Et même la queue, elle va à droite, à gauche, et il se fait taper dessus. Et l'autre se fait porter, tirer par la queue, par la mule. Nous avons vraiment de la chance d'avoir une forme humaine. Peut-être que nous étions parfois, auparavant, une mule. Mais dans cette forme humaine, la conscience peut se contempler elle-même et retourner à sa source. C'est possible d'être dans cette vie totalement libre et en paix, plein d'amour, peu importe d'où vous venez, libre. Darkness, I saw no light. I was all alone. Searching and seeking to find you. We will rise up.
Thank you.
Thank you so much. Love you, love you, love you. Wherever you are. Je vous aime où que vous soyez. Que Dieu vous bénisse. Chantimah.